Séquence vidéo, je vous propose de faire un enchaînement de mouvements qui va nous permettre d'étirer les muscles latéraux, les muscles du dos. Essayez de maintenir une grande amplitude pendant tout l'exercice en essayant de maintenir les épaules basses. On commence par monter le bras, étirer toute la chaîne latérale, laisser le bassin s'étirer sur le côté. Sortez la jambe jusqu'à perdre complètement l'appui. Étirez sans monter l'épaule. Puis redescendez lentement le pied. Changez de côté. Laissez le bassin passer. Transfert du poids du corps. Étire. Rentre bien le ventre. Et reviens. Les jambes fléchies. Étirez votre taille. Allongé jusqu'au plan horizontal. Les bras dans votre champ visuel. Poursuivez avec la descente des côtes sur les cuisses. Les mains au sol. Projetez la tête le plus près possible du sol avant de remonter en attrapant lentement vos omoplates avec les deux mains, les bras croisés. Je déroule le dos, je projette mes coudes, je me déplace pour vous montrer ici l'ouverture costale, la projection des bras dans le plan vertical et la projection de la tête le plus loin possible des épaules. Je repose lentement les bras sur l'air, je monte sur demi-pointe et je vais ouvrir ici le bras le plus possible vers le plafond, toujours sur demi-pointe. Je ramène l'autre, je reviens face. Je reprends l'ouverture. Puis inspirez pour une belle ouverture costale. Et ouverture sur le côté, sur demi-pointe. Bien face. Prolongez avec la descente du buste dans le plan horizontal. Poursuivez avec l'ouverture du buste sur le côté, avec la projection des bras dans le plan vertical, les deux talons dans le sol, la jambe du bras levé s'étire, s'allonge. Je reviens, buste face au sol, avant d'effectuer la même chose de l'autre côté. La jambe du bras qui s'étire s'allonge aussi. Le regard est porté vers la main. Je reviens face. Je relâche avant de dérouler lentement pour un retour à la verticale. C'est fini. Merci, à bientôt.